Bonjour, je m'adresse à travers cette vidéo à toutes les personnes qui aimeraient se lancer, les futurs entrepreneurs, qui aimeraient se lancer mais qui n'osent pas se lancer et que vous êtes confrontés à plein de blocages, vous avez peur de vous lancer, alors qu'au fond de vous, à l'intérieur de vous, vous sentez prêt, vous dites ça y est, j'ai vraiment quelque chose à partager, je sens que ce que je vais faire, non seulement je suis ravie de le faire, vraiment ça m'anime et je sens vraiment que je vais pouvoir apporter des bénéfices aux gens. Malgré tout, il y a quelque chose qui vous retient. La question c'est qu'est-ce qui vous retient? Alors on peut explorer plusieurs pistes et c'est ce que j'aimerais vous partager durant cette vidéo. La première c'est déjà de se poser, d'aller explorer la notion de la légitimité. Est-ce que je me sens légitime dans ce que je fais? D'accord. Est-ce que ce que je fais m'anime vraiment? Est-ce que ce que je fais apporte un réel résultat aux gens? Parce qu'il y a de ça. Donc ça, c'est la troisième piste que vous pouvez explorer. Mais je pense que pour certains d'entre vous, vous avez déjà fait même, vous avez déjà vu un thérapeute pour être accompagné sur pourquoi je n'ose pas me lancer et que peut-être que j'ai besoin de faire encore une formation en marketing ou encore une formation dans la spécialité que j'ai. Peut-être que vous pouvez explorer une autre voie. C'est celle que je vous propose. La première, c'est déjà de vous poser la question. Au lieu de chercher pourquoi je n'ose pas me lancer et d'étoffer vos diplômes, vos certifications, vos formations, peut-être que la question, elle est véritablement reliée à votre rapport avec l'argent, certes, dans l'inconscient, mais il y a de ça. Mais posez-vous la question de dire, arrêtez de vous poser la question pourquoi je ne me lance pas. Posez-vous la question à l'inverse de qu'est-ce qui me retient? Quel est le bénéfice secondaire que je trouve à ne pas me lancer? Qu'est-ce que j'y trouve en fait de bénéfique quand je ne me lance pas? Qu'est-ce que je trouve de bénéfique dans le regard des gens quand je ne me lance pas? Qu'est-ce qui est si confortable que je gagne maintenant et qui est aisé pour moi et qui est si confortable dans mon cœur? C'est ça la question, parce que c'est ça qui vous retient, peut-être. J'ai une idée de ce qui se cache derrière dans votre inconscient. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est intrinsèquement lié au rapport à l'argent. Parce que se lancer implique qu'il y a la notion d'argent. L'équation de l'argent va rentrer dans votre équation vibratoire aujourd'hui. La notion de ce que vous désirez offrir avec votre cœur est un fait, mais elle va être interrelié à la notion de l'argent. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui joue dans cet ordre-là, qui fait que c'est compliqué aussi pour vous de vous lancer. En attendant, vous pouvez déjà explorer à l'intérieur de vous de « si je ne me lance pas, quel est le bénéfice secondaire? Qu'est-ce que j'y gagne qui est important pour moi quand je ne me lance pas et que je publie sur Instagram avec générosité, avec cœur, ce qui me touche, ce qui me parle et que j'ai tous ces retours-là? » Je serais ravie en fait d'obtenir vos commentaires, donc n'hésitez pas. Et si ça vous dit de vraiment travailler sur ce sujet-là, de dépasser vos peurs conscientes et aussi inconscientes, par rapport à cette notion d'argent qui rentre en jeu justement dans cette envie de se lancer et de dépasser ces peurs-là pour dire bon là maintenant j'y vais parce qu'il y a bel et bien quelque chose derrière. Sachez que c'est un point que nous allons travailler ensemble dans la mastermind argent et prospérité. Dans ce mastermind-là justement, oser prendre sa place et se lancer fait partie d'un module particulier dans lequel nous allons en parler. Se détacher du regard des gens, poser sa légitimité et aussi fait partie d'un autre module que nous allons travailler particulièrement. Donc si vous êtes concerné justement par ces points que je vous pose là, par ces blocages, par ces points que vous avez besoin d'intégrer en vous, sachez que je prendrai le soin de vous accompagner à intégrer votre légitimité, votre confiance en soi, prendre votre place. Osez vous lancer, en fait c'est même pas oser, c'est vous lancer tout court et on fait sauter tous les blocages inconscients qui vous y empêchent.
Ça fait partie du mastermind que nous allons travailler ensemble. Donc, n'hésitez pas. Inscrivez-vous. On se retrouve le 3 mars. On s'en occupe. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est pas demain, c'est maintenant. Si vous avez envie de vous lancer, c'est maintenant. C'est pendant le mastermind, c'est après le mastermind. Moi, je serais ravie d'être auprès de vous pour vous y accompagner. Je vous dis à très vite. Au revoir.